Salut les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel maquillage. Aujourd'hui j'ai utilisé la palette Prism de chez Anastasia Beverly, c'est une palette que j'aime beaucoup. Donc j'ai déjà appliqué ma base à paupières et je suis venue prendre le fard Unity qui est un fard beige. Vraiment ça va me servir de fard de transition, voilà. Ensuite je prends le fard parallèle qui est un marron et là avec un petit pinceau fluffy, je viens le placer aussi dans mon creux de paupières et j'estompe tranquillement tout ça pour avoir un beau fondu. Ensuite, je vais venir prendre ce magnifique fard bleuté qui est le Osiris. Il est juste, enfin, il est bleuté violet avec des petites paillettes roses, on dirait. Bon, je le trouve sublime. Je l'ai pris avec un petit pinceau plat et je vais venir vraiment le mettre dans le coin externe et dans le coin interne de mon œil. Vous pouvez voir que les fards de chez Anastasia sont vraiment encore une fois super pigmentés. Je vous ai déjà fait un maquillage avec cette petite palette, je vous la mets dans le petit i et en barre d'infos comme ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller la voir. Une fois qu'on a fait ça, je suis venue prendre le fard Dimension qui là est un gris violacé, encore une fois super joli. Et je suis venue le placer au centre de ma paupière, voilà, entre ces deux teintes. Ça rend super bien ces deux teintes ensemble, elles sont super. J'ai repris un peu de fard Osiris pour encore une fois intensifier et parce que comme j'avais appliqué l'autre fard avant, ça avait un peu estompé la matière, mais voilà, j'en réapplique pour que ce soit ultra intense. Et j'estompe en fait avec le gris du milieu. Ensuite, je prends le fard Eternal, qui est là un bronze doré, que j'applique tout bêtement juste un ras de cils, voilà, pour appliquer, donner un peu de luminosité, on va dire, à ce make-up. Je voulais pas trop alourdir mon ras de cils, en fait. Et comme vous l'avez, vous pouvez le voir entre-temps, excusez-moi, j'ai bugué, j'ai fait mon teint. Dans la muqueuse, j'utilise aussi du coup un crayon cuivré, c'est un crayon de chez Colourpop, je vous mettrai aussi la référence dans la barre d'infos. Et dans le coin interne, j'ai pris la teinte lucide, voilà, pour encore une fois apporter de la lumière. J'ai recourbé mes cils, mis du mascara et ce maquillage est déjà terminé. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker mes vidéos si elles vous plaisent et à me le dire dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Moi, je vous fais évidemment plein de gros bisous et à la prochaine. Je vous aime.